Bon, apparemment, je suppose que c'est la dernière cible d'élite, en tout cas celle de rang S, bah parce que je suis à la toute fin du jeu. Il me reste plus qu'une quête annexe qui apparaît en vert ici, là. Donc c'est la dernière quête annexe avant la fin du jeu qui se trouve ici. À moins qu'il y ait un rebondissement scénaristique, mais ça m'étonnerait. Donc là, on va aller affronter la dernière cible de rang S. Là où je suis surtout curieux de voir il est niveau combien. Moi je suis niveau 49. Je suis curieux de savoir il est niveau combien. Bon, je pense que ce sera 50. Hein. J'ai déjà affronté une cible de rang S qui était niveau 50. C'était assez galère. Non, là, ce style d'ennemi, là j'ai l'habitude. Plusieurs fois que j'en affronte. Le BMO 3. En général, les behemoths dans les Final Fantasy, ils sont durs. Hein. Je me rappelle notamment celui de FF7 Remake. Oh là là, quel play. Ouh là là, ah ouais, d'accord, il commence fort. Ah oui, d'accord, ok, il commence très fort. Le bâtard. Le stun. Fait trop tôt. Ok, je suis comme très mal commencé le combat. Voilà, allez, soit stun. Je le mets au sol, je charge mon épée. Il va, voilà, pour péter sa jauge. Voilà, bien vu. Je me transforme. Je fais le pouvoir d'Odin pour augmenter le pouvoir. Un petit Zantetsuken. Voilà, et j'anticipe directement la danse des lames pour être au niveau 5 dès qu'il se relève. Merci la caméra. Tetsuken, voilà, bon, il sera pas niveau 5, mais c'est pas grave. Le feu follet pour lui répéter sa jauge. Attention, le maelstrom, faut pas que je le prenne. Hop là, attention, voilà. Alors, par contre, ça c'est violent. On esquive tout ça. C'est DBZ. Voilà. Ça. Voilà, hop, il est stun, viens là. Donc il est niveau 47. Hein. Donc tu vois, il est même pas niveau 50. Allez, on refait Shiva pour lui répéter sa volonté. Voilà, parfait. Allez, encore un petit coup d'Odin pour être sûr d'être niveau 5. Je lui fais le Zantetsuken, je lui refais la danse des lames, juste pour remonter la jauge. Pendant ce temps, il faut savoir que mon cooldown remonte. Hein. C'est le temps s'arrête pour l'ennemi, mais pas pour mon cooldown. Hein. Ça c'est bien ça. Oh là là. Si on sait qui. Allez, sois stun. Voilà, viens là. Voilà,
Shiva encore. Voilà. Allez, je fais ça, histoire d'augmenter la jauge. Le multiplicateur de dégâts. Hop, le feu follet. Là, je sais qu'il va backdash. Non. Là, je peux lui répéter sa volonté. J'évite le maelstrom. Stun. Enfin, t'es pas stun. T'es pas stun. Sérieux? Enfin, c'est scripté ou quoi? Ouais. Jamais vu, hein. Là, cette attaque, là, son apocalypse, là. Encore Shiva. Voilà, dès qu'il est à mi-barre de volonté, boum, direct Shiva. Ça, ça le pète complètement. Allez, la danse des lames pour passer le Zantetsuken niveau 5. Voilà, pile poil, niveau 5. Allez. Le feu follet. Il répète sa jauge de volonté. Tu vois, à peine il s'est levé direct. Incroyable. Ah non, il va nous faire son apocalypse là qui dure 75 ans. Pas que je sois dans le truc parce que voilà, parce que sinon ça one shot hein. Ça, ce genre de choses là, ça one shot hein. Voilà. Allez, hop, viens là. Voilà, bah ça le tue. Ah bah, j'ai un trophée exterminateur, vainque toutes les cibles d'élite. Voilà, donc c'était bien la, bel et bien la dernière. Alors, ce qui est un peu bizarre, hein, c'est qu'il n'est pas niveau 50, quoi. C'est bizarre qu'ils aient foutu une cible de rang S qui était niveau 50 en plein milieu des cibles d'élite et que le dernier ne soit pas niveau 50. Bon, en tout cas, c'est fait. Toutes les cibles d'élite sont faites et toutes les quêtes annexes sont en passe d'être faites. Hein. Il m'en manque une. Comme j'ai dit, hein, sauf rebondissement, mais là, ça m'étonnerait. Hein, parce que là, c'est vraiment la toute fin du jeu. Et là, le jeu m'a blindé de quêtes annexes que j'ai toutes faites. Ça fait 3 jours que je suis dessus, hein, tellement il y en avait. Et voilà, quoi. Donc, c'est ce que je voulais. Toutes les cibles d'élite, toutes les quêtes annexes. Donc, ça, c'est fait. Après avoir toutes les compétences à fond. Donc, comme je le pensais, pour ça, il faudra faire du New Game Plus. Donc en tout cas, elles sont toutes faites. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de... Tu sais, que ça soit pas carré, quoi. Donc tu vois, donc c'était lui. Et celui que j'avais fait de rang S, c'était Svarog, qui était là. Voilà, c'est lui qui était niveau 50. Donc tu vois, il apparaissait quand même assez tôt sur le tableau. Et après, toutes les autres cibles de rang S que j'ai faites, dont lui, il était niveau 40... Lui, pareil, il était niveau 40. Et lui, je viens de le faire. Hein. Voilà, il était même pas niveau. Il était même pas niveau 45. Il y en a une parmi eux qui était niveau 45. Mais bon, c'est assez bizarre que assez tôt, il y a eu une cible de rang S qui était niveau 50. Bon. En tout cas, c'est fait. Toutes les cibles d'élite sont toutes faites. Donc, voilà une bonne chose. Une bonne chose de faite.
Sachant que aussi, même au comptoir des récompenses, bah, j'ai tout fait. Voilà. J'ai tout fait. Donc 2850, hein, c'était ça. Donc là, elles sont toutes faites là. Donc sur ça aussi, j'ai eu un trophée. Et sur les quêtes annexes. Donc ça, c'est les quêtes principales. Et là, les quêtes annexes donc qui apparaissent en vert. Voilà, tout ça, 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 c'est fait. Voilà. Donc là, il me manque la dernière, là, qui est là. En plus, j'ai fait exprès de garder la dernière quête annexe de Joshua. Donc le petit frère de Clive, hein, j'ai fait exprès de la garder. Comme un symbole. Parce que, en fait, ces dernières quêtes annexes, d'un point de vue histoire, sont quand même importantes. Hein. C'est pas, même pas vraiment des quêtes annexes. Hein. Ça me semblait être indispensable, mais c'est pas très bien fait dans le jeu parce que y a trop de quêtes annexes dans le jeu qui servent à rien. Et là, quand t'arrives à la toute fin et que t'as envie d'en finir, ben c'est là qu'ils te donnent des quêtes annexes, mais ultra indispensables, tu vois. Bon, heureusement que je me suis dit que dans tous les cas, je voulais toutes les faire à 100%, mais c'est très mal étalé, très mal jaugé, il y en a trop. De toute façon, c'est l'histoire même de ce Final Fantasy XVI. Hein. C'est un jeu qui est mal fait, quoi, en fait. Qui est mal calibré. Voilà. Qui excelle sur certains points, mais comme pas possible d'une main de maître. Et sur d'autres points, qui est complètement à la ramasse. Hein. Mais bon, il y a des bonnes choses comme là, il y a une mise à jour hier, là. Qui permet de changer le costume de Clive, hein, une mise à jour gratuite dans Apparence. Hein, en fait, on peut changer soit son costume, celui de Shiva, de Jill. Hein, je la trouve tellement stylée comme ça. Franchement, elle pue la classe, hein, mais complètement. Et malheureusement, on peut pas zoomer. Donc ça, c'est son costume de base qu'elle a pendant tout le jeu. Et là, c'est le DLC gratuit, on va dire. Elle est mais foutrement stylée. Hein, je la trouve grave stylée. Donc là, Joshua, voilà, ça c'est son habit de base et ça c'est le DLC. Pareil pour le loup, ça il est de base, il est comme ça et là c'est le DLC. Lui aussi il est bien fait, il est stylé. Et pour la monture aussi, pareil. Et ce qui est bien, on peut choisir les armes. Donc moi j'ai le Ragnarok, donc j'ai cette arme là, mais je lui ai mis le skin du Masamune. Et là, il y a tous les skins de différentes épées. Donc ça aussi, c'est bien. Parce que tu peux juste changer le skin. Ça n'impacte pas les stats. Et ça, c'est gratuit. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils ont annoncé deux DLC payants. Et là, actuellement, il y a une réduction sur le pack d'extension. Donc je vais voir, parce qu'il coûte que 20 €. Je vais voir combien... Enfin, s'il y a les deux DLC prévus dedans, quoi. Parce que à 20 €, ça pourrait m'intéresser. Parce que même si je suis entre guillemets, on va dire, un peu fâché avec le jeu, parce qu'il aurait dû être meilleur que ça, ça reste quand même un bon jeu. Et je me dis, vu comment l'histoire elle est, hein, parce que l'histoire elle est vraiment excellente, hein, dans ce jeu-là, donc pourquoi pas faire les DLC. Donc s'il y a les deux DLC pour 20 €, franchement, je serais tenté, vraiment. Donc je verrai ça après. En tout cas, toutes les cibles d'élite de rang S, enfin toutes les cibles d'élite sont toutes faites. Donc, et ça, c'est une bonne chose, ça. Allez.